d'autre jamais. Bonjour, monsieur Ollivander. Je me demandais si vous pouviez m'aider pour quelque chose. Oui, le professeur Fig m'a envoyé un hibou pour m'informer de votre venue. Il ne m'a pas dit grand-chose, simplement que vous aviez besoin d'une baguette spéciale et que vous m'apporteriez les matériaux nécessaires. Oui, monsieur. Je les ai avec moi. Ah, mince. C'est extraordinaire. Quelle conception remarquable. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais fabriqué une baguette de cette manière. J'ai l'habitude de réparer des baguettes cassées, mais là, c'est une autre histoire. C'est un sacré défi que vous me lancez là. Je pense pouvoir faire quelque chose avec ce que vous m'avez apporté. Laissez-moi regarder ça. La voilà. Je préfère vous le dire, je n'ai jamais vu une baguette comme celle-là avant. Et je soupçonne, comme l'insinuait le professeur Fig dans sa lettre, qu'elle sert à un objectif bien précis. Je doute qu'elle vous soit très utile pour autre chose. Je comprends. Merci, monsieur. J'ai bien peur qu'il n'y ait personne d'autre. J'ai fait en sorte qu'on puisse avoir un moment rien qu'à nous. Allons, allons. Pas besoin de réagir ainsi. Compte tenu de ce que Ranrock sait désormais, tu dois convenir que nos intérêts convergent. Nos intérêts ne seront jamais alignés. Tu laisserais les gobelins prendre ce qui nous revient de droit. Le dernier dépôt est la propriété des sorciers. Il faut absolument unir nos forces. Qu'est-ce que tu as là? Cette visite impromptue chez le fabricant de baguettes aurait-elle un rapport avec notre recherche? Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Ce précieux dépôt me revient de droit! Charles Rockwood n'aurait jamais accepté une telle chose. Quelle arrogance! J'aurais dû savoir que l'on ne raisonne pas avec un enfant. J'ai toujours dit que les enfants doivent être vus et non entendus. Action. Action. La suite.
gestion pathétique dans mes filets. Confringo. Tu vas payer pour ce que tu as fait. C'en est fini de toi.
n'y a pas de tu fais combattre les plantes à la place. Mon Fringo. Arrête ça, tu veux. Glacius. Quoi? Tu as l'idée. Ouais. Hein? Axio. C'est Mon Fringo. Axio. Je regarderai la lumière. Confringo. Action. La suite. Je sais que Confringo. La suite. C'est bien. Confringo. Inarrêtable, comme un agneau à la mort. Confringo. Vous avez battu des pétroles. La suite. Confringo. Tiens-toi. Confringo. C'est toi qui as libéré très bien, n'est-ce pas? Regarde ce que tu as fait. Tu vas payer pour ça. La 6. Tu vas essayer ta magie spéciale sur moi aussi? Repousse le sera en Confringo. Raté. C'est tout ce que tu peux faire. Raté gros. La 6. Voyons comme la 6. C'est toi qui Expelliarme. Tu as envoyé plusieurs. Tu te trompes. Confringo. 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 La 6. Expelliarmus. Ne fais pas ça. Action. Réduction. J'ai attrapé une bestiole pathétique dans mes Je pensais que tu réductor. Tu vas le faire. Déjà eu la suite. Pathétique. Confringo. Tu es celui qui prend. Glacius. Si j'ai trouvé. Action. Confringo. Confringo. C'est la voix. Et notre rançon. Tenez cette femme jusqu'à ce que la suite. Confringo. Confringo. Ah, comme c'est gentil. Confringo. Action. Okay. La suite. Action. Confringo. Tu vas regretter d'avoir acheté ici.
Ça, tu sais te battre. Confringo, c'est bien. Alors, j'ai rien. Confringo. Quelle attaque pathétique. Abandage les bras. De retourner à la salle de la carte pour tout raconter à Fig. Revelio. Revelio. Victor Rockwood est mort. Il m'a attaqué alors que je quittais Ollivander avec la baguette du gardien. J'ai dû me défendre. Par la barbe de Godric. Tout va bien? Je savais que vous pouviez vous défendre, je l'ai souvent vu, mais contre Rockwood en personne? Il m'aurait tué après avoir trouvé le dépôt. Peut-être même avant, je n'avais pas d'autre choix. Vous avez raison. Vous n'aviez pas le choix. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le monde des sorciers vous est redevable. C'est rassurant de vous l'entendre dire, professeur. Je suis prêt pour la suite. Très bien. Les gardiens vous attendent. Vous avez accompli toutes nos épreuves, et dans des circonstances que je n'aurais su prévoir. Vous comprenez maintenant pourquoi tout cela était nécessaire? Le porte-au-loin, le coffre, le médaillon, le livre, les épreuves. Nous avions besoin de nous assurer que ceux qui partagent nos capacités fassent le même choix que San, Yam, Charles et moi-même. Maintenant que vous avez été témoin de mes souvenirs, vous comprenez tout ce qui est en jeu. Les gens ne sont pas toujours qui ils semblent être. Mais comme vous le savez, sans lumière, point d'ombre, et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce qu'on peut éliminer les ténèbres qu'on doit le faire. Même les sorciers les plus compétents et les mieux intentionnés ne peuvent imaginer les conséquences qu'entraînerait la manipulation de ce qui devrait être hors de notre portée. Ce qui se trouve dans le dépôt ne doit jamais être libéré.
résister à la tentation de le détruire ou de le contrôler. La magie que vous avez si soigneusement perfectionnée ne doit être utilisée que pour protéger le secret que nous gardons. Vous êtes en possession de la baguette. Vous saurez quand l'utiliser. Notre héritage est désormais entre vos mains. J'espère vraiment que nous n'arrivons pas trop tard, et que derrière cette porte, nous attend un dépôt intact. J'espère que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crains que non. Mais si ce n'est pas encore le cas, ça ne tardera pas. Avez-vous pu contacter le professeur Weasley ? Oui. Avec un peu de chance, elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ils savent où trouver la porte que nous avons empruntée. Réveillon. Action. Elle a rendu. La suite.
Vélias. J'assiste. Professeur, ce mur, c'est par ici. Ça a marché. Allons-y. Ranrock ne doit plus être très loin du dépôt. Je crois que vous avez raison, professeur. On ne peut rien faire d'autre que poursuivre les recherches. Rébellion. Action. Je ne
ma raison. Action. Confringo. Rapprochons du but, professeur. Par ici! Ont réussi à traverser les charmes défensifs du château. Ne les laissez pas là. Nous allons bien nous occuper d'eux. Ah, ah. Ils tiendront. Action. Confringo.
baguette, vite! Heureusement que nous sommes arrivés avant Ranrok. Je n'arrive pas à y croire. Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles. Quand on pense à toute la souffrance qu'il a engendrée, et c'est pour cela que Myriam, Georges, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts. Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien. Mais elle ignorait les risques. Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré, ce qu'Isidora vous a montré. Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret. Quel usage pensez-vous en faire ? J'ai décidé d'ouvrir le dépôt. Son pouvoir ne peut pas rester inactif un siècle de plus. Même après tout ce que vous avez vu, il a faim d'Isidora. Isidora savait qu'elle avait un don remarquable pour aider les gens. Je compte bien terminer son travail et l'approfondir. Mais cela pourrait facilement mal tourner. Vous connaissez mieux que quiconque les risques que vous prendriez. Je connais les conséquences, professeur. Grâce à ce que j'ai appris, je peux éviter de commettre les mêmes erreurs qu'Isidora. Je peux apprendre à utiliser cette magie pour faire le bien. L'arrogance sans borne des sorciers. Les gobelins ont construit ce bâtiment. C'est notre propriété. Assez, Ranrok. Il n'est pas à vous. J'avais bien envie de jouer avec ceci. La baguette de Myriam. Si elle leur avait juste donné le réceptacle, tout cela aurait pu être évité. Une sorcière trop fière et imprudente. Vous alliez si bien ensemble. Elle non plus n'a pas su s'avouer, ma cul.